est la meilleure composition d'armées pour chacune des nations de Napoléon Total War en multijoueur. Alors c'est vraiment très difficile de faire une armée euh, générique sur euh, Napoléon Total War pour le multijoueur, notamment puisque souvent l'armée peut, peut être adaptée à la map. Il y a des maps vraiment très différentes qui peuvent euh, vous faire euh, faire des armées vraiment euh, très euh, différentes et des manières de jouer aussi différentes. Certains joueurs préfèrent plutôt... Le long combat nerveux euh, où il faut tenir le plus longtemps possible, d'autres préfèrent plutôt rusher, d'autres préfèrent plus de cavalerie, d'autres préfèrent plus d'infanterie. Chacun a sa manière de jouer, mais là on va essayer de faire des armées assez génériques dans l'ensemble. Donc on va commencer bien sûr, et ensuite ça sera pareil, on va faire dans l'ordre présent dans la liste. Donc on va commencer avec l'Autriche. Choisissons donc l'Autriche, chargeons l'armée. J'ai fait alors, j'ai dû faire une armée pour chacune des nations, ça m'a pris un petit peu de temps. Alors, pour l'Autriche, j'ai choisi le général Alvinci, 3 étoiles, c'est toujours bien d'avoir un petit général en, euh, un peu gradé. J'ai pris 5 Grenzer, ils tirent à 100 de portée, non que 45 de précision, mais rechargent bien plus vite que les autres tirailleurs et sont meilleurs au corps à corps, ce qui sera un avantage assez intéressant. Il faudra évidemment plus les avancer que les autres tireurs à 125, mais je pense que le rapport qualité-prix est nettement plus intéressant pour vous si vous prenez les Grenzers. Par la suite, j'ai pris 5 fusils hongrois, euh, infanterie de ligne supérieure, pas d'élite, mais supérieure, qui comblera bien au niveau de vos flancs. 4 unités de fusils allemands, une unité de base de l'infanterie euh, autrichienne, et le 45e régiment tchèque pour ceux qui l'ont. Je pense beaucoup de monde. Et nous comblons avec 4 unités de cavalerie de Houlan. Donc c'est une armée où il faudra être assez mobile, ne pas rester trop en place, puisque euh, nous n'avons pas d'unité d'élite, nous avons des tireurs à 100. Donc il faudra aller chercher le contact et euh, couvrir toute attaque grâce aux houlanes, qui souvent vous accorderont euh, la supériorité numérique au niveau de la cavalerie et vous permettront d'inciter l'ennemi à faire des carrés ce qui rendra votre infanterie d'autant plus efficace. Voilà pour l'Autriche. Passons maintenant à la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, très grosse nation de Napoléon, bien évidemment. Pour la Grande-Bretagne, pareil, j'ai choisi également un général 3 étoiles, M. Picton avec son joli chapeau, qui est mort à Waterloo, si je ne me trompe guère. Nous avons pris deux dragons légers, seulement deux cavaleries, puisque l'ensemble de la cavalerie... Euh, anglaise est assez lente je trouve lourde donc euh, je pense qu'il est mieux de privilégier euh, la dragon léger d'en prendre seulement deux mettez plus d'argent sur votre infanterie ce sera mieux ensuite deux unités de king german légion très bonne unité d'infanterie ensuite 1 2 3 4 5 6 7 infanterie de ligne et deux highlanders qui seront bons ils sont un peu moins bons que l'infanterie ligne en hein, ce, ce qui concerne les échanges de feu mais ils sont meilleurs en ce qui concerne euh, l'échange à la baïonnette donc euh, prenez les, 2 de ça suffira et 5 unités de fantassins légers qui peuvent tirer à 100, ne prenez pas les fusils, ils coûtent extrêmement cher ce ne sera pas un bon euh, un bon choix puisque vous pouvez les perdre très rapidement en ce qui concerne les tirailleurs et ce serait du gaspillage d'argent donc nous avons 19 unités mais comme l'ensemble de l'armée anglaise et de plus, boosté par un général 3 étoiles, fera du très bon travail 19 unités seront largement suffisantes. Ensuite passons au Danemark. Danemark, une nation très peu aimée des joueurs en multijoueur. Les gens préfèrent se concentrer sur la France ou l'Angleterre, c'est un peu dommage. Alors pour le Danemark, j'ai pris un général de base, deux lifeguards à pied et toute une tripotée d'infanterie de ligne puisque elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui nous faut au total 12 infanteries. Il faut savoir que pour les nations mineures, ce qui est très important, c'est d'avoir la supériorité au niveau de l'infanterie de ligne. Puisque la qualité, c'est votre adversaire qui l'aura. Ne cherchez pas. À moins qu'il ait pris de nation inférieure aussi. Donc privilégiez tout d'abord euh, l'avantage numérique important, puisque. En général, on peut considérer que vous rencontrerez 8 à 10 unités d'infanterie de ligne en face de vous. Ainsi, avec 12, vous aurez un large avantage qui vous permettra dès le début de la bataille de commencer une manœuvre d'encerclement, de faire s'effondrer très rapidement ses flancs et d'avoir très rapidement une supériorité numérique écrasante qui compensera absolument euh, la mauvaise qualité générale de vos troupes. Néanmoins nous avons deux unités d'infanterie d'élite qui euh, précipiteront votre victoire sur les flancs. Je n'ai pris que 4 tirailleurs à 125 puisque ce n'est vraiment pas... Euh, Il coûte vraiment très cher en ce qui concerne les Pays-Bas... Euh, pardon, en ce qui concerne les Danois. Prenez-en seulement 4 pour bloquer vraiment le, votre centre, le temps que vos flancs euh, écrasent l'ennemi. Ce sera vraiment pour euh, le bloquer, c'est là que les 125 interviennent, puisque en distançant euh, les tirs ennemis, cela va le décourager d'attaquer, puisque aussi très souvent les, la, les petites armées, comme les danois, sont très mal connues, et, et ils risqueraient soit de sous-estimer votre armée, et de prendre des mauvais choix, trop offensifs, soit de la surestimer, à défaut de mal la connaître, et de ne pas attaquer, ce qui sera un bonus pour vous. Et euh, deux cavaleries de dragon voilà bonne cavalerie dans l'ensemble mettez une petite upgrade sur le général c'est cadeau, ça fait de mal à personne ensuite la France, alors pour la France j'ai fait deux armées puisque armée, c'est une nation très connue donc on peut se permettre de faire deux armées différentes, la première la France avec Napoléon puisque c'est Napoléon tout à l'heure ce serait vraiment dommage de se passer de ses services et c'est pour ça que je l'amène l'impact général de la présence de Napoléon sur le champ de bataille sera euh, incommensurable, croyez-le. Le moral de vos troupes sera tel qu'ils se battront jusqu'à la mort. Euh, vous pouvez avoir entière confiance en vos troupes et c'est pour ça que on pourra se permettre de prendre neuf infanteries de ligne et une soignette d'élite, la Jeune Garde, histoire d'avoir le petit budget. Euh, L'infanterie de ligne sera carrément ultra boostée avec Napoléon. N'hésitez pas en plus à faire un encouragement supplémentaire, comme on peut en faire deux, ce qui rendra votre attaque d'infanterie extrêmement décisive. Nous avons avec ça 6 voltigeurs. Les gens pensent toujours à l'infanterie d'élite française, mais ils oublient que les voltigeurs, ainsi que les chasseurs, mais surtout les voltigeurs, sont extrêmement bon marché. Regardez, euh, 550 d'argent, mais 60 de précision. Il faut le préciser, 60 de précision. C'est une très bonne infanterie de ligne pour un prix vraiment très modique. Donc prenez un 6. Vous aurez soit le nombre égal, soit un avantage décisif sur le nombre de tirailleurs par rapport à votre adversaire. Même s'ils ne sont que 60, c'est un avantage pour vous. Et euh, prenez 3, 3 chasseurs à cheval. C'est la cavalerie que je conseille le plus pour l'armée française. Très efficace pour harceler. Très bonne cavalerie, très bonne attaque en mêlée, très bonne défense. Très bon moral qui est d'autant plus boosté par la présence de Napoléon. Donc je pense que cette armée est absolument inarrêtable si vous l'utilisez bien. Euh, à moins que la personne en face ait Napoléon également, ce qui pourrait être un lourd défi, ou Wellington encore. Euh, C'est vraiment une armée de winners. Ensuite, on peut prendre la deuxième armée. La France sans Napoléon. Alors, général de base. Pour le coup, on va compenser avec l'utilisation de deux vieilles gardes. D'une jeune garde d'un marin de la garde, donc 4 unités extrêmement puissantes pour mettre sur vos flancs, pour gagner le flanc très rapidement. Puis, par la suite, 6 unités d'infanterie de ligne, ce qui porte à 11... 10, pardon, le nombre de votre infanterie. Donc, euh, gros nombre d'infanterie, grosse qualité. Toujours aussi voltigeurs. Ils sont indispensables. Et on mettra seulement 2 chasseurs à cheval. Euh, histoire de... Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de cavalerie puisque l'idée sera d'attirer euh, la cavalerie ennemie vers votre infanterie d'élite et ainsi normalement très rapidement vous tuerez la cavalerie adverse et euh, votre cavalerie servira donc à tuer par exemple le général ou prendra revers l'infanterie ennemie pour la faire former le carré et gagner l'avantage avec votre infanterie. Donc voilà deux armées pour la France, deux armées bien distinctes, une armée d'élite à la faible général et une armée de base avec Napoléon. Ensuite, Empire Ottoman, alors il euh, y a, y a euh, on va dire, deux nations que j'aime beaucoup sur Napoleon Total War. C'est l'Empire ottoman et l'Espagne. Des, des nations que quasiment personne ne prend, alors que moi j'en suis euh, littéralement amoureux. Alors, pour l'armée ottomane, ce ne sera pas vraiment une, ar une armée générique, puisque j'ai choisi de vous montrer une armée de rush. Une armée de rush qui consiste en un général de base, mais attention Sept unités de Nazim Isédit, je dis bien 7, ce qui fait peu d'infanterie ligne, mais qui seront couvertes par cinq rassemblements de janissaires avec deux galons, donc ils vont être extrêmement puissants, ainsi que trois unités de canonniers chaturnales, donc l'équivalent des chasseurs à cheval, mais euh, avec des carabines sur dromadaire. Trois unités de garde Scyattar, excellente armée, de, euh, unité de cavalerie euh, ottomane, à laquelle vous mettez aussi deux galons pour la rendre vraiment indiscutablement balaise. L'idée de cette armée, c'est le rush, le rush absolu. Vous utilisez votre infanterie de ligne pour prendre le premier feu. Une fois qu'elle a pris le premier feu, directement vous faites charger votre, euh, vos unités d'épéistes dans l'armée ennemie vous distrayez la cavalerie ennemie, voire même vous l'annihilez avec votre grand nombre de cavaliers, 6 cavaliers, et vraiment, j ai, j ai, je, je vous garde une petite surprise par rapport à cette armée, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment extrêmement efficace, très difficile à contrer si vous l'utilisez bien, extrêmement difficile, c'est un commentateur de vidéo anglais qui me l'a conseillé, et je peux vous dire que c'est la tuerie, mais c'est un peu délicat à utiliser, je vous l'accorde, mais c'est très bon à conseiller euh, sur la map pyramide ou crête syrienne Map de désert puisque Nos amis dromadaires euh, ont un petit boost Sur les maps de désert Et vous avez plus d'endurance que l'adversaire Ce qui sera bien notamment pour les épées ce qui doit beaucoup courir Y compris pour attaquer Donc voilà, armée de rush ottomane Je conseille, n'hésitez pas, hein, ça coûte rien d'essayer Le Portugal ce fut assez difficile De faire une armée Très euh, compliquée euh, Car elle n'a pas d'unité d'élite Propre, très peu de cavalerie donc, d'emblée, je vous conseille un général 3 étoiles pour compenser euh, la faiblesse de l'armée. Je vous conseille également un énorme spam de 11 unités d'infanterie. Spammer à fond. Ça sera pas dommage. Vous aurez la, la supériorité. Tentez évidemment un débordement sur les flancs. 5 unités de tiradores. Très bonne unité de tirailleurs hein, par contre. Soit 25 de portée, 75 de précision. Un rechargement honnête. Euh, Faites-en bon usage, ne les sacrifiez pas trop vite parce que ils seront décisifs pour votre victoire. Armée utilisée uniquement par exemple face à des Français qui n'ont pas de tireur à 125. Et ça vous permettra d'avoir un avantage décisif sur le centre. Une fois que vous tuez les tirailleurs français, euh, la, la voie est quasiment libre et la victoire est grandement améliorée. Deux unités de cavalerie portugaise que j'ai un peu dopées puisqu'elles ne sont que deux. Donc, elles devront être extrêmement euh, décisives dans leur utilisation. Donc, euh, ça leur garantit une meilleure chance de victoire. Voilà. Ensuite, la Prusse. Prusse, nation assez souvent choisie. Très bonne nation, hein. j'aime beaucoup. Je, ça me plaît vraiment de jouer. Avec euh, état-major du général de base, deux gardes à pied, pour vous flancs, une de chaque flanc, évidemment. Euh, 9 unités de fantassins, ce qui porte à 11 votre infanterie, donc euh, gros chiffre, ainsi que fusil prussien 3, bonne infanterie de tirailleurs, précision à 100, et avec ça on ajoute 2 tireurs à 125 qui serviront à chercher l'ennemi puisque comme il tire loin, excellente précision d'ailleurs, très bon rechargement également, comme il tire loin si l'ennemi en face n'a pas de tirailleur à 125 il va devoir avancer son armée, ses tirailleurs, ce qui mettra donc à portée de vos tirailleurs à 100 et vous offrira directement aussi le premier feu avec eux, donc vous aurez le premier feu avec eux, et le premier feu avec eux, ce sera décisif par la suite. Très bonne armée la Prusse, hein bon, c'est pas décidé de gagner avec. Russie, très bonne armée aussi, euh, très peu choisie, dommage. Au corps à corps, euh, c'est connu, ils sont extrêmement forts, c'est LE point fort. Alors j'avais à la base une armée russe assez, euh, assez bonne. Et puis avec l'une des mises à jour, les prix ont un peu changé, du coup je n'ai pas pu le refaire. Mais je pense avoir fait l'armée optimale en ce qui concerne la Russie, puisque regardez, il nous reste zéro. Donc euh, on ne va pas me faire 0 hein, zéro, c'est magnifique. Général 5 étoiles, qui boostera encore plus vos assauts au corps à corps. Donc essayez, si cela est possible, de privilégier le corps à corps dès que la faille ennemie se fait. Et là vous pouvez être sûr que l'ennemi va s'effondrer. Littéralement s'effondrer. 3 unités de lifeguard. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités d'infanterie. Donc 9 unités d'infanterie, c'est un peu faible. Je le reconnais. Mais ils seront vraiment d'excellente qualité. 5 unités de Jaegers. Euh, dans l'ensemble, je dirais pas très bons Jaegers. Mais au corps à corps ils se défendent. C'est possible de résister au corps à corps avec. Donc euh, c'est important de les avoir. Et puis ils prendront les balles pour économiser euh, votre infanterie. Et j'ai choisi de prendre 4 cavaleries avec la Russie. deux Cosaques, très bon rapport qualité-prix. Puisqu'avec un tel général, ils seront vraiment boostés au niveau du moral et se battront comme des chefs. Pour 440, profitez-en. Et euh, deux Hussards, voilà. Donc on a 4 cavaleries. Faites-en bon usage. Toujours essayez de l'utiliser seulement une fois que la cavalerie adverse est morte. Pour vos. Euh permettre d'avoir une victoire facile euh, lorsque vous l'utiliserez à votre voilà on va passer à l'espagne ma deuxième nation préférée comme je suis d'origine espagnole alors l'armée espagnole regardez enfin la composition que je suis faite moi-même je la trouve magnifique purement magnifique elle euh, me fait rêver de l'avoir général 9 étoiles donc comme ça déjà on impose le style cache 2 gardes euh, wallons. Donc nos amis belges se battent avec nous. Avec ceci, 9 unités d'infanterie. Donc 11 unités d'infanterie. L'infanterie espagnole est correcte. Euh, un peu lentin rechargée, mais correcte. Euh, elle tiendra le coup, surtout euh, avec un tel moral. Vous pouvez compter dessus. Euh, les tirailleurs anglais euh, espagnols, ils sont pourris. Donc on n'en prend que 4. Ce qui nous permet d'économiser. Regardez, même avec un général 9 étoiles, et 2 unités d'élite, on peut économiser pour avoir deux cuirassiers. Tenez-vous bien, deux cuirassiers espagnols. Un hussard et un lancier. Donc 4 unités de cavalerie qui seront à même de défaire n'importe quelle armée de cavalerie adverse. Néanmoins, je vous dispense comme d'habitude de charger la cavalerie adverse avec votre cavalerie. Euh, vous avez des unités d'infanterie qui sont là pour les neutraliser. Mais alors, une fois que la cavalerie adverse est neutralisée, vous passez ces unités derrière. Si vous avez la chance de charger avec vos cuirassiers sur des unités qui n'ont pas encore formé le carré, euh, carnage assuré. Parce que regardez, 11 d'attaque, de, 17 de charge, 17 de défense, morale 9, mais alors montez à 20 quasiment avec ça, votre général. Vous lanciez, pareil, utilisez, éventuellement vous pouvez le sacrifier, mais éventuellement je ne dis pas, pour finir les tirailleurs adverses. Enfin c'est une armée, mais vraiment, mais aussi magnifique que l'armée de Napoléon je pense. Donc euh, essayez là, donnez un petit peu d'amour à l'Espagne, je n'ai pas mis d'unité de guérilla, puisque j'estime que la plupart des gens n'ont pas le... Le kit guérilla, DLC guérilla, donc euh, on s'en dispense. On crée une armée de base avec l'Espagne, tranquillos. Très bonne armée, très très bonne armée, franchement. Essayez là, vous me ferez bien plaisir. Suède. Suède c'est compliqué aussi, pareil, on décide de choisir une armée avec. Donc j'ai mis un, un général 5 étoiles, pareil, pour compenser la faiblesse générale de l'armée. Avantage néanmoins de l'armée la suédoise, de très bons yagurfs à cheval. Très très bon. Euh, Prenez-les, abusez-en, donc 4. Life lifeguards à pied, donc euh, indispensable pour compenser votre infanterie. Il me semble que nous avons 8 infanteries. Correct aussi, sans hein, plus, mais correct. Booster en morale, donc c'est bien. Et on ne prendra aussi que 4 tirailleurs, mais néanmoins des tirailleurs à 125. Donc euh, ce sera pas mal. Je pense que c'est L'une des plus difficiles armées avec les portugais pour se battre. Mais euh, quand vous gagnez avec la Suède, comme avec le Portugal, c'est une victoire personnelle. Et ça fait vraiment du bien de gagner avec une petite nation, par exemple face à la France ou un truc comme ça. Ça fait du bien, c'est bon pour l'ego, le, le, hein on s'en préférera pas. Et puis euh, ça montre un petit peu d'amour pour ces nations qui sont très peu choisies. Les Pays-Bas, pareil, très peu choisis Dans l'ensemble. Général 3 étoiles. C'est l'avantage des petites nations, c'est que souvent on peut prendre un général avec des toiles, donc euh, prenez-le. Nous avons donc deux Jaegers de Nassau à 125, 2 Jaegers à 100. Euh, pareil, essayez de, de ménager l'infanterie de légère. Se privilégier plutôt un spam de 11 unités d'infanterie de ligne, qui vous garantira un avantage numérique. Ce à quoi vous ajoutez 2 dragons légers, bonne cavalerie. Donc euh, efficace et également, attention, unité propre à la Suède, à, aux Pays-Bas. Donc prenez-la, les carabiniers, l'équivalent du cuirassier espagnol ou français, pareil. Très bonne unité de cavalerie, ainsi vous vous arrangez à avoir un avantage de cavalerie énorme qui, comme avec l'Espagne, vous permettra d'avoir une victoire absolument faisable. Donc euh, voilà, c'est terminé. Si d'autres personnes ont des armées différentes à proposer qui sont également efficaces, n'hésitez pas dans les commentaires à en faire part. J'espère que cette vidéo euh, vous sera à tous utile pour le multijoueur. N'hésitez pas à prendre une action mineure, ça fait toujours plaisir. Et ça montrera que vous avez fait des progrès. Et euh, pour Shogun, je ferai sûrement une vidéo similaire, mais comme apparemment il y a peu d'unités, euh, je ne sais pas trop comment je vais l'adapter ce principe. Donc on verra ça. En tout cas, euh, adhérez à ma page Facebook Total War Prod. Abonnez-vous à ma page YouTube. N'hésitez pas à commander, à commenter et je vous dis à la prochaine.